Myriam, est-ce que tu es prête? Bon, vas-y, on fait des 1v100, on appelle Yacine. Yacine! Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo accompagnée de Myriam. Salam. Et de Younes derrière. Aujourd'hui, j'ai une méga surprise pour Myriam. Quoi? On va faire un truc de fou malade. J'ai vu dans le titre la miniature. On va faire un méga terrain de foot dans le jardin. Ça va être une dinguerie, donc ça va être un terrain de foot qui va se faire en mode synthétique. Alors regardez, on vous montre l'avant, donc l'avant du jardin pour l'instant il est comme ça, le jardin avec de l'herbe, du béton ici. On a contacté des créateurs de jardin. Ça se dit pas. Des professionnels. On a contacté des professionnels et il est venu déjà inspecter le jardin pour savoir comment il allait faire et tout. Tout est planifié, normalement Inch'Allah ça va arriver, ça va être incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? On a un peu besoin d'aller au stade, donc on pourra comme jouer comme des professionnels. Ça va être comme Ronaldo bien. Dans son jardin. Est-ce que t'es prêt à prendre des petits ponts? Les petits ponts là, hey. Yacine, on fait quoi ici? Pourquoi tu m'as ramené au stade? J'ai dit on veut en faire un dans le jardin. Tu veux qu'on fasse quoi? Y'a quoi au stade? Oh, y'a un joueur pro. Oh les gars, je crois que c'est un joueur du Cameroun lui. Tu m'as emmené voir un joueur pro. Mais n'importe quoi. Je vais ramener Issa et Ramdan pour leur dire qu'on a fait un petit stade dans le jardin. Tu vas leur annoncer qu'on va faire un stade? Bah oui. Mais viens, on va leur annoncer ça autour d'un grec. Vas-y, appelle les dealers de venir. Appelle-les. Ok. Allô, ça va, vous allez bien? Eh les gars, j'ai une grosse annonce à vous faire autour d'un bon grec. Vous êtes chaud ou pas? Bon, ils sont arrivés à la famille depuis tout à l'heure. Ils sont garés là. On les avait même pas vus. Depuis tout à l'heure, vous êtes là. Ça va, vous allez bien? Entendu. Ça va, Marlex? Je suis en train de faire la sieste. T'as des petits doigts, Ramdan. T'as des petits doigts. Ouais, je sais. Ça va Ramdan? On vous a pas fait venir pour rien les gars, on a une nouvelle incroyable à vous annoncer. De malade. Et en plus, je pense vraiment que vous êtes pas au courant. Ah ouais? Vous êtes prêts ou pas? Descendez. Ramdan, qu'est-ce qui t'est arrivé à la figure? Ah, je me suis pris un coup au foot hier. Ah, je t'ai pas battu. Je t'ai pas battu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas mis de coup. J'ai même pas rempli de sang, c'est pas vrai. Y a pas les preuves. On a décidé, vous avez vu le stade là, il nous rend fou les gardiens. Non, mais Yacine, t'as dit avant qu'on allait aller au grec à lancer ça. Tu m'as pas arnaqué. Il nous devait pas un grec la dernière fois, vous rappelez? Tu te rappelles qu'on a fait le cercle, ouais, il nous devait un grec. Allez, on va au grec, on vous annonce la nouvelle au grec. Yes, enfin. Enfin, on va pouvoir y aller au grec. J'avais faim moi. Yes. Ça va ou quoi mon gars? Tu vas bien? Ouais. On t'attendait. Viens, on va au grec. Ah ouais. Tu veux pas la dire maintenant? Non, on va autour d'un bon repas, ça passe mieux. Ah, t'aurais pu le dire après, prends maintenant. Ramdan, il a pris. Attends, je vais présenter. Geek, four, fit. Ça fait longtemps. Regardez, le boss, il a pris une assiette merguez. Je vais te laisser le boss commencer, le boss. Elles sont bonnes, les frites? Elles sont faites d'amour. Lui, il a pris un bon grec. Fit, biggie. On commence par les frites, toujours. Waouh. Vous connaissez le combo? On prend de la salade, du grec, du poulet, on trempe. C'est Younes, merci. La bonne nouvelle, je vous l'annonce. Les gars, en exclusivité, vous voyez mon jardin? Ouais. Dans mon jardin, je vais créer un véritable stade de foot. Non. Synthétique, but, on va faire des 1v100. Ça va être une masterclass. Mon jardin, je vais faire un stade de foot. Vous pensez que c'est possible? Ben oui, c'est possible. Ok les gars. J'ai une question là, tu vas vraiment faire le stade ou tu... Oui, je vais vraiment faire le stade. Mais non. Alors c'est là, on faisait les mini-matchs, je te rappelle avant les mini-matchs, même il y a mets le ballon où tu veux. T'appelles, mets le ballon où tu veux. Et là maintenant il y aura un vrai stade. Un vrai stade mon coach. Mais non. Bismillah. En perte de poids, je mange un grec. Mais c'est pas grave, parce que c'est dès lundi que tout commence. C'est vrai. On a le temps. Bismillah. Mario Samouraï, la compo à Yacine. Les travaux ont commencé, ça va être une masterclass. Toute la terre commence à être retournée. C'est quoi la première étape là? La première étape, ça va être de retourner, enfin de creuser, vous voyez, d'enlever l'herbe et de faire un niveau plat. Genre de faire couler une grosse masse de béton. Et normalement, quand la masse de béton sera faite, vous allez voir. Regarde comment il est grave gros ce terrain, il fait au moins... Et au final, il est beaucoup plus grand que ce que je pensais, hein. C'est incroyable. Hein. Là, pendant, il n'a pas fini de creuser le monsieur, mais regardez, ça va aller jusqu'à là-bas là. Ça va être super grand, ça va être incroyable. Regardez, il y a tous les sacs de terre, donc c'est encore en travaux. Ça prend plusieurs jours, donc c'est du travail. Et franchement, moi, je pense que ça va prendre au moins 2 semaines. La famille, franchement, c'est une dinguerie. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Regardez, le terrain, il a été creusé, tout a été aplati. Il manque plus qu'à mettre la dalle de béton. Mais franchement, je suis choqué. Comment c'est grand, Younes? C'est grave grand, moi, je suis choqué. On se rend pas compte, mais le terrain, il a l'air super grand. Ouais. Eh, ça va faire des vrais 1v1 avec Myriam. Eh, je vais te tuer dans les. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Donc là, la prochaine étape, ça va être de couler du béton. Une fois que le béton, il va être mis, on mettra le synthétique par-dessus, les barrières, les cages. Faudra qu'on achète des buts. Ouais, des buts et des barrières à mettre autour. Ça va être une dinguerie. Et j'avais envie de mettre un logo au milieu, genre Family FC. Je sais pas si ça se commande, ça. The next day. Il est bon ton goûter ou pas? Ouais. Eh, j'ai une méga surprise. Quoi? Est-ce que t'as vu le jardin ou pas? Viens, tu vas péter un câble. Quoi? Eh, je pense que ça va péter un câble, même vous allez péter un câble. Il y a une avancée de malade mental. Voilà, dinguerie, c'est bientôt fini, il reste une étape. Eh, c'est incroyable. Regarde, Younes, tu peux filmer. Là, la famille, on vient de mettre
la dalle de béton. Non, touche pas, c'est pas encore sec. Il reste qu'une étape, c'est poser le synthétique par-dessus, mettre les cages et les barrières autour, se dire là, on va aller se retrouver au magasin, on va l'acheter des cages avec des barrières autour. Moi, je veux des cages. En vrai, il nous faudrait des grandes cages, non? Bah, il faudrait des cages comme au stade, les vrais stades là. Oh, ça va être incroyable. Vas-y, on se retrouve au magasin. On arrive à Décathlon avec Nes. Pourquoi je nous emmène à Décathlon? En fait, les amis, le terrain de foot, il faut l'équiper. Il faut qu'on s'achète des buts de foot, il faut qu'on s'achète des matériels pour s'entraîner, faire des vraies vidéos, tout ça. Donc là, on va à la Décathlon. On va essayer de voir les bonnes choses qu'il y a pour justement alimenter le terrain et faire une dinguerie dans le jardin. Les amis, nouveau terrain de foot. Je sais pas si on prend une nouvelle balle. Oh, regarde, en plus, ça va ressembler à ça, je pense. Tu vois? Ah, ouais, là, le synthé. Là, on a la bonne image, là, tu vois. Ça, c'est la balle des anciens. Vous la connaissez pas, cette balle? Nous, à notre époque, c'était ça, les meilleures balles. Mirage, je lance un défi. Si tu fais un tour du monde, je t'achète tout le magasin. Mais t'as le droit de faire un rebond dans le tour du monde. Oh! Oh! Tu vas ralasse. Je suis la petite sœur Mbappé. Vu qu'on va faire des 1v1, des fois, Myriam, tu vas aller au goal. Ouais. Il te faut des gants. Les gars, j'ai trouvé ça, les gars. J'ai trouvé des petits gants pour Myriam. Comme ça, tu mets ça pour aller au goal, je vais te mettre que des lunettes. C'est pas trop petit, ça? Et nous, on se prend des gants ou pas? Moi, en vrai, je goal sans gants. Moi, j'ai pas besoin de gants. Ouais, ouais, on va te mettre des pétards, on verra. Mais mets-moi des pétards, moi, j'ai l'habitude. Tu vois ces mains de travailleurs, là? Une fois à droite, une fois à gauche, voilà. Il nous faut du matériel d'entraînement pour la former, les gars. Il faut qu'elle devienne Mbappé, projet Mbappé. Donc on va prendre ça. Prends quoi? On prend des plots, Yassine? Des coupelles, ouais. Des coupelles ou des plots? Des coupelles. Mais ça fait trop penser aux entraînements physiques en été, ma phobie. Allez, hop, top. La vraie question qu'on se pose, Younes, c'est est-ce qu'à ton avis, on prend des petites cages comme ça, des mini cages pour faire des 1v1? Ou est-ce qu'on prend des grandes cages comme ça et on les met dans l'herbe, on les plante pour avoir un gardien? Moi, je pense qu'il faut une grande et une petite. Comme ça, quand on veut faire des 1v1, on prend les deux petites cages comme ça. Et quand on veut mettre des frappes, et bon, on prend le grand but. T'en penses quoi, toi, Myriam? En vrai, un grand et un petit. Ah ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on met qu'une grande cage, et derrière, on peut percher les balles grave facilement. C'est ça, mais elle, t'as vu, elle a acheté des gants. Elle peut pas gauler dans ses petits buts. Il lui faut des grands buts. Ou alors, il y a ceux-là qui font 2 mètres. Moi je propose. Est-ce que t'es d'accord ou pas, Yas? On achète une grande et une petite. Comme ça pour les gens. Ouais, moi je pense une grande et une petite. C'est... Moi j'aurais dit soit deux grandes, soit deux petites parce que ça va faire trop déséquilibré. On leur fait la surprise et on va voir sur le terrain de foot. On va se décider, on verra. La dernière barrière, on va la faire en live. C'est parti, les amis. Regardez, venez voir, viens voir. On a mis des barrières là pour pas que la balle elle sorte. Comme ça, on peut mettre des grosses frappes. Et là, je pense que c'est bon, les gars. Je vais présenter le stade à Myriam. Elle va devenir folle. Myriam, est-ce que tu es prête? Oui. Le stade vient d'être terminé. Tu peux enlever tes mains, mais laisse tes yeux fermés. Le stade, il est fini. Ça y est, on va pouvoir y jouer. C'est où? C'est par où? C'est par ta droite. Je veux que tu te lèves et que tu ouvres les yeux à 3. 1, 2, 3. Oh là là, mais là, t'es à 2 mètres des cages et tu rates. Myriam, je vais te présenter le stade, je vais le présenter à tous les abonnés, mais avant, j'ai un truc à te dire. Est-ce que tu connais l'abonné qui s'appelle Abderrahim? Notre cher abonné Abderrahim a subi une opération du cœur, du coup, je te fais une grosse dédicace à toi. Qu'Allah te préserve et bah, franchement, grosse dédicace. Mets une frappe pour Abderrahim. Abderrahim, c'est pour toi. Regarde, merde de la surface, c'est le but! Pour toi, Abderrahim. C'est pour toi. Déjà, regarde le sol, comment il est incroyable. Tu peux faire des roulets d'avant, tu peux faire ce que tu veux. T'as mis des petites barrières, t'as vu, pour pas que la balle elle sorte, il y en a un peu pas. Non, monte pas dessus. C'est pour la balle, mais monte pas dessus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pas que la balle elle sorte, t'as des vrais buts de foot. Il est plus grand que toi, c'est incroyable. Il fait toute ma taille. Mais remets une frappe, tu vas voir, c'est solide. Après, je te présente la suite du stade, il y a plusieurs surprises. Un pétard. Oh là 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 là, t'inquiète pas, t'auras tout le temps d'apprendre. T'as dit que j'étais nul. J'ai mis une petite fleur, tu vois, pour faire un mode vacances. Ce but-là, c'est un but provisoire. J'ai commandé un vrai but de pro. Vous le verrez sur TikTok aussi, je vais faire un TikTok s'il arrive le but. Ok, pas de problème. Et surtout le truc qu'on a acheté au magasin, les gants et tout. Franchement, les gars, moi je pense que le stade, il est incroyable. On dirait les vrais stades de pro, là, qu'il a Ronaldo dans son jardin. Là, tu vois, c'est pour les pros. Oh, il y a une bagarre de chats. C'est des chats qui se battaient. Yeah. Eh, les chats, calmez-vous, hein. Fais gaffe, ils sont violents. Voilà, bon, vas-y, on fait des 1v1, on appelle Yacine. Appelle Yacine. Attends, je suis prête. Yacine! C'est le moment de tester le terrain il a l'air incroyable. J'ai trop envie de dribbler Myriam aujourd'hui. Je suis plus fort que toi en 1v1. J'y crois, moyen. T'as progressé? Bah, bien sûr. Ok, je vous propose un 1v1, regardez. J'envoie la balle au milieu, vous faites votre 1v1. Si vous marquez pour confirmer, il faut mettre un penalty. Oh! Je vais l'éteindre, moi je suis là-bas, c'est 1v1 et en plus je suis neuilleur. Et est-ce que tes gants ils t'y vont? Bah, bien sûr. Moi, mon plan, c'est l'humiliation. Vous connaissez. On va l'humilier. C'est quoi si t'arrives à la battre, je rentre, le boss rentre. Ok, vas-y. Le boss de fin. Vas-y. C'est parti. 1v1, les amis. Dans le nouveau terrain. Bien joué, Myriam, la défense. Marc. Ok, maintenant, elle doit mettre un penalty. Vous connaissez, la première, on a fait exprès. On la laisse un petit peu espérer. Là, je vais sortir son penalty. Et après, je l'explose. Si tu marques, on veut une célébration. Oh, la concentration max. Oh, l'arrêt. Va-t-elle le stopper une deuxième fois? Oh, la virgule. Bien joué, pour pas. Et il faut que tu mettes le penalty. Okay. Attention. Vu que moi je suis petite, tu peux la tirer avec la balle en plastique. Pourquoi? Elle est dure celle-là, tape dessus pour voir. Ouais, c'est vrai, Yacine, tu prends une autre. Tu vas mettre un pétard? Non, elle a dit pas de pétard. Un pétard? Non, pas de pétard. Mais elle est dégonflée un peu. Marc, arrête de trouver des excuses, après j'arrive. Il a le survêtement de l'Allemagne.
Ok, 1-0. Oh, virgule. Te fais pas humilier. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire? Wesh, wesh. Oh, passement de jambes. Incroyable. Oh, Yacine, il l'a stoppé. Oh là là là. Et Myriam, malheureusement, qui perd ce match. Winded. Les gars, franchement, on dirait un vrai stade. Je remets de la texture, le visuel. Les gars, regardez, on dirait vraiment un vrai stade. J'ai une idée de ouf pour savoir qui va avoir la balle. C'est moi qui aura la balle. Non, 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 regarde. On fait une brésilienne, une touche de balle. Celui qui gagne, il a la balle. Oh, vas-y. Qui va gagner? Ou Jean-Louis l'armée du... Ah. Aïe. Aïe. Avec le bonnet, c'est grave dur. Il s'est fait balle à la tête. La balle, elle fait trop mal. Oh non, c'est lui. C'est dans, c'est Yacine, c'est Yacine. C'est parti. Je peux rien faire. Wesh, wesh, wesh. Fais pas des techniques comme ça, frère. Tiens. Tu tournes. Oui. Oh, oui, allez, allez. Ouais. Ok, il faut valider ça avec un penalty. Oui. Ouh. Eh, les gars, c'est incroyable de plonger, ça fait même pas mal. Je le savais. Allez, hop. Maintenant, les gars, faut mettre le penalty. Allez, Yacine, faut assumer ta défaite. Mais toi, tu t'es grand, je peux tirer fort. Non, non, non. T'as pas le droit. Non, arrêtez! Ah, ça y est, on vous arrête plus. Vous allez faire que de jouer là. C'est une dinguerie. On va tryhard le terrain de foot. En tout cas, merci beaucoup pour le terrain. C'est vraiment une masterclass. Ça fait plaisir. Oh, j'ai une idée. Si vous voulez qu'on fasse un 24 euros stade, mettez 5000 likes. On le fait, les gars. T'es sûr qu'on fait un 24 euros stade? Bah oui, ça. Mettez un like, abonnez-vous. Ciao!